Marcel Dadi, jeune guitariste français, a adopté le style Nashville de l'État du Tennessee. Il est ce que l'on appelle un guitariste picking. Le voici avec Georges Bégout et nous les écouterons jusqu'à la fin de cette édition. Bon après-midi, peut-être à ce soir. Merci. Marcel Dadi a déjà enregistré à moins de 30 ans 10 albums, c'est-à-dire 10, 33 tours, ça fait un peu plus de 100 morceaux de musique. Il est aussi connu parce qu'il a écrit des méthodes pour la guitare, et Léon Zitrone, qui s'y connaît, a employé le mot de technicien, guitar picking. Alors, il faudrait peut-être un peu expliquer ce que c'est. Bon, la guitar picking, en fait, c'est très simple. Ça consiste à jouer deux parties en même temps, c'est-à-dire le rôle de deux musiciens, par exemple le bassiste. Côté la mélodie. Évidemment, ça fait un peu de chômage, mais enfin. Ça, c'est un morceau qui s'appelle The String, je crois. Hein? Fret Train, oui, ouais. C'est ça. Vous le prononcez beaucoup mieux que moi parce que vous avez un peu vécu aux États-Unis. Et puis, on a l'impression, quand on parle de guitar picking, qu'on voit toujours l'autoroute, les grands voyages, une voiture américaine. C'est ça qui vous inspirait. Vous qui êtes français, pourquoi avez-vous aimé cette musique? Ben, ce qui m'a surpris d'abord, c'était la possibilité de pouvoir jouer tout seul, ce que faisaient d'habitude deux guitaristes, et puis bien sûr le style, l'évasion que ça représente, parce que malgré tout, il y a une très forte évasion mentale là-dedans. Alors vous évoluez maintenant, paraît-il que vous vous attaquez au classique. Pour un autodidacte, vous qui avez tout appris tout seul, ça me paraît curieux. Non, parce que le classique à la guitare, après tout, c'est un style supplémentaire et mon maître Chet Atkins l'a bien connu. Alors Chet Atkins, c'est le roi, c'est le pape de cette fameuse guitare. Voilà, qui habite à Nashville et que tout le monde connaît, je pense. Donc lui aussi touche un petit peu à tout, du moment que c'est de la guitare. S'il y a un morceau qui lui plaît en classique, il fait du classique et puis malgré tout, je fais comme lui. Voilà, c'est tout. Alors vous interprétez Aller Simple, encore une chanson de voyage, enfin une musique de voyage. Sans retour, voilà, c'est encore l'évasion. On vous s'en écoute. Va et on ne sait pas si on revient. Allez-y, Marcel.